Bonjour. Il y a quelques années, j'ai découvert un album pour flûte et harpe, avec la partition donc, qui s'appelle Bel Canto. Voici cet album. Alors voilà, si ça brille pas, ce sera encore mieux. Il a été publié en 2003 aux éditions De Ascq. Ceux qui étudient la flûte m'auront compris. Comme je vous le montrais sur la pochette, c'est une version play along, ce qui permet d'écouter d'abord la version avec la flûte et la harpe, puis de jouer tout seul sur la partie de harpe, qui, comme je vous le disais, est de qualité. Aujourd'hui, je peux et je veux vous faire partager le simple bonheur de ces mélodies romantiques et tellement délicieusement surannées. Pour ce faire, pour vous faire partager ce moment, j'ai dû quand même reprendre toute la partie de harpe que j'ai reséquencée avec un instrument virtuel, donc dans la norme MIDI, pour des questions de droit d'auteur et aussi par commodité personnelle. Je pense que les flûtistes débutants peuvent acheter cet album les yeux fermés. Ils vont y trouver leur bonheur pour des années. Voilà. Maintenant, place au plaisir. Place au plaisir authentique, loin de ces radios qui sont toutes normalisées, formatées, qui nous rendent aphones. Place à la mélodie, place à la musique, place à la flûte, place au bel canto. Dès mercredi 5 octobre, 3 fois par semaine. Sur ma chaîne Idée Indigo Flûte, bien sûr. Sur YouTube, bien sûr. À bientôt.